Dans le petit bourg Speccagallone, hameau de Minervino di Lecce, on peut noter la beauté du Salento authentique. Le village a été lié pendant des siècles aux vicissitudes de la famille des princes Gallone de Tricase, parmi les familles nobiliaires les plus aisées du Salento méridional. Le palais baronial, datant du XVIe siècle, positionné le long du périmètre de la place du village, conserve encore les blasons héraldiques de la famille des Gallone, qui trône au centre de l'élégante balustrade latérale. La façade principale du palais porte l'emblème des San Giovanni, famille appartenant à la noblesse de Alessano, feudataire de Svecchia après les princes de Tricase. Dans la physionomie de l'édifice, on peut admirer les différentes interventions architecturales réalisées au cours des siècles, afin d'endoucir et ennoblir une ancienne structure militaire et austère. On peut noter d'autres références à la grammaire héraldique du coq sur les sculptures du portail de l'église paroissiale, dédiée à Saint Blaise, protecteur du village. Très suggestive est l'iconographie du XVIIe siècle, qui figure sous la décoration en pierre, inspirée du thème de la Passio Christi et du Memento Mori, comme la croix, la colonne de la flagellation et le crin. L'intérieur a une seule nef, dominée par la chaire monumentale, totalement réalisée en pierre de Lecce. L'hôtel central est unique en son genre dans le territoire salentin, grâce au complexe motif polychrome. Les beautés picturales de Speccagallone sont concentrées dans les peintures pariétales conservées dans l'église de Sant'Anna, un joyau artistique des grandes valeurs culturelles. L'édifice se détache sur la route qui conduit à Poggiardo, à la périphérie du centre habité, et il présente à l'extérieur les signes évidents d'importantes modifications structurelles effectuées au cours du temps. À l'intérieur, on peut admirer l'élégance des peintures, qui remontent au XVIe siècle salentin, de représentations de grande qualité et maîtrise. Des fresques divisées en scènes rappellent les vicissitudes de l'Évangile et de l'Ancien Testament, représentées de façon claire et simple dans le style de la Biblia Pauperum. Très suggestive est la représentation du Jugement dernier, peinte le long de la contrefaçade de l'église. L'ancienne et noble histoire de l'économie agricole de Speccagallone est visible le long de la route qui conduit à Minervino. Les grandes fermes du XVIe siècle attirent l'attention des visiteurs avec leurs façades monumentales, aujourd'hui rénovées et visibles au public. Ces structures cachent souvent des joyaux au sous-sol, comme par exemple des anciens greniers de dimensions surprenantes. Le passé de l'identité salentine, avec sa beauté et ses précieux témoignages culturels, revive à Speccagallone dans les soins des lits et dans l'accueillance grecque des habitants du bourg.